Hello les amis, on se retrouve de nouveau dans Assassin's Creed Valhalla. On est parti pour continuer l'histoire avec Halfdan et le Rocher, il me semble que c'était. Bon, c'est la fin, hein. on a presque terminé cette zone. Et je crois qu'après, il me reste à peu près 4 zones pour l'Angleterre. Quelque chose comme ça. Bon, c'est encore assez long, hein. Je peux vous dire, là, on est presque à 70% seulement du jeu. C'est juste pour donner un ordre d'idée que ce jeu... il est incroyablement long, mais alors vraiment long. Je trouvais déjà à l'époque que plus la série avançait, plus ils étaient longs. Hein. On voyait Black Flag, c'était déjà assez long. Après, on voyait que c'était encore plus long pour Assassin's Creed Origins. Il fallait quand même 110 heures à peu près pour le tout, donc avec les DLC. Là, je suis à 100 heures, j'ai même pas terminé le jeu de base, quoi. Donc, il n'y a pas tous les trophées, il n'y a pas les défis principaux. Quoique, apparemment, les défis principaux, ils se débloquent assez facilement comparé à Watch Dogs Legion, si j'ai bien regardé la liste. Voilà, il n'y a pas les DLC et tout, donc le jeu, il est énorme, quoi. Hein. C'est énorme la longueur. Alors, bon... Le jeu est sympa, mais quand même, je trouve qu'ils abusent quoi sur la taille du truc. Personnellement, hein, ça, c'est mon point de vue. Donc là, il faut aller là-dessus. Alors, pour faire ça, on peut aller là. Ouais, je trouve très long. Sympa, mais très long quand même. Et puis, c'est un m'embête parce que, voilà, je regardais combien de temps. Est-ce que j'arrive à quoi le finir cette année ou pas. Et je crois que j'arrive pas à le finir cette année, vu que je fais en alternative en ce moment Cyberpunk en même temps. Qui est sorti donc maintenant et ouais ça devient chaud quoi parce que bon moi je peux pas passer toute la journée comparé à d'autres j'ai d'autres projets on peut passer toute la journée à jouer après il y en a qui font que ça bon ils ont fini bon c'est sûr mais bon c'est pour moi non je passe pas ma journée que à faire ça j'aime bien ça fait des pauses autre chose, hein. Il faut pas faire que travailler, que étudier, mais quand même l'inverse, faire que jouer c'est pas bon non plus. Hein. Enfin bref, hein, fait avec. On va le finir, hein, parce qu'il est bien, que j'adore finir les jeux, je les finis toujours. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup trop long, j'espère que le prochain sera pas aussi long. Et aussi qu'il y a une pause là, hein. Je sais pas s'ils vont en sortir un nouveau en 2021 ou pas, parce que bon, il y a aussi d'autres jeux à faire quoi. Hein. Sympa quoi, c'est une franchise que j'adore, mais quand même, voilà, il n'y a pas que ça quoi. Alors, on va y arriver, allons. Regagner le Hall Royal. Donc lui, Halfdan, il est allé carrément. Je trouve assez embêtant pour aller au lieu. Ah ouais, c'est de l'autre côté. Ouais bon. C'est un jeu sympa comme dit, mais bon, c'est trop long. Trop long, beaucoup trop long. C'est vraiment abusé. Voilà, surtout qu'on fait à peu près globalement la même chose. On conquiert une région après l'autre. J'avais peut-être pas besoin de faire autant de régions. Y arriver bon, déjà on va voir qu'est ce qu'il en est de la quête d'ailleurs cette région est pas si facile à compléter quoi parce que je pense que quand j'ai fini cette quête il y a sûrement après le compte rendu et il me reste encore pas mal de choses à faire surtout dans les mystères que j'ai pas vraiment regardé en plus il y en avait deux je crois qui étaient pas si simples à faire le truc avec les pierres voilà Léa celle là je l'ai fait avec l'anomalie malgré la longueur. Assister au couronnement de Halfdan. Ouais, il est où Halfdan? Halfdan n'est pas là! Où peut-il être? Halfdan, il est siphonné. Franchement, il couronne un type qui est complètement timbré. Et qui en plus n'a pas de générosité du tout. Et là, c'est comme ça. Alors, apparemment, il faut parler sûrement avec la... Moira, Halfdan est par ici. Bienvenue à Ivor. Halfdan est sorti avec Paravik. Il ne devrait pas être loin. Allez, qui veut
ne m'a plus dit. Courage ! Demande-lui de venir se remuer le croupion avec toi. Mais je n'ai encore jamais... Je le suis, mais bon... Montre-moi cette terre, mon ami. Pas trop sûr de où il veut qu'on aille. Rexidge, voilà qui ne m'étonne pas. Je me suis laissé surprendre. Et c'est ma faute. Le brouillard est tombé et je n'ai pas réussi à voir la forêt devant moi. Mon vieil ami. Il y a longtemps, nous avons attaqué cette mer de chariots sous le couvert de l'hiver. Tu te tiens à mes côtés depuis de nombreuses années. Avec fierté, mon frère. Viens, allons partager le baume de tous les tourments, le doux liquide du chaos. La cérémonie doit commencer. Ne faisons pas attendre l'assemblée. Eivor ! Oui, allons-y. Allons inscrire nos noms dans l'histoire. T'es assez amusé? Le couronnement est pour bientôt. Je m'amuserai plus tard. Allons faire de toi un roi. À Eivor et au clan du Grand Corbeau de Mercy, nos nouveaux alliés, par le sang et par la gloire. Au roi Alfdan, à qui je lève ma corne et mes lèvres pour offrir ce compliment. Cime couronnée, solide chaîne des Valkyries, tisseur de la sagesse guerrière. Puisses-tu vivre et régner longtemps. Skoll ! Skoll ! Je dis, attendez. Moira, quel est ce métal? Il est mou comme les tuyaux romains. Oh, c'est du plomb. Un métal toxique. N'a-t-il pas rendu fou les Romains? Un métal peut-il faire cela à un homme? Oh, Dieu du ciel, oui. Les Romains ne le savaient que trop bien. Et ma pauvre mère, elle s'est servie si longtemps de coupes telles que celle-ci, qu'elle... Toi, toutes ces années, tu m'as nourri de poison. Il m'a fait perdre l'esprit. Mon vieil ami, allons, ta maladie obscurcit ton jugement. Cette maladie n'a rien d'un accident. Tu avais ma confiance. Range ton arme, Paravid. Eivor, fais-lui entendre raison. Il est vieux, malade, et son esprit est... Silence ! Tu veux ma mort, chien enragé ? J'ai été idiot de ne pas le voir. Ah ah ah, bon. Non, là, c'est Paradis qui est pas correct, il le savait. La trahison ne saurait rester impunie. Après tout ce que nous avons accompli ensemble, après toutes nos victoires... Si un membre de mon clan était coupable d'une telle traîtrise, je lui arracherais la chair des os. Tu n'es plus le guerrier que tu as été. Tu dois mourir et tu es au bout.
c'est la fin de notre route. Debout, maudit traître! Lève-toi et bats-toi! Mon vieil ami, tu te rappelles l'époque de nos courses à cheval à travers la contrée? Tu étais rapide, tu gagnais toujours. Parce que je te laissais gagner, mon Jarl. Je vais te laisser triompher une dernière fois. Nous nous reverrons. Dans la halle des morts. Alfdan, il faut que je parte. Je pars pour la Mercy. Je rentre chez moi. Alors emporte ceci. Un gage d'amitié. Un lien entre nos clans et un symbole des souffrances qu'il a fallu endurer pour parvenir à la paix. J'espère que nous avons bien fait. Ah, on a pu se demander si j'aurais fait l'autre choix. Qu'est-ce qui serait passé, quoi? Bon, Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Pas encore, Eivor. Il y a tellement de choses à faire là-dedans. Il nous reste une bataille là, on la fera plus tard, si j'en ai là-haut. Je vais commencer par voir toutes ces histoires de mystères. Il y en a en masse, hein, les mystères. Hein. Pas un moyen d'être plus proche. Soit on part de là-bas, soit on part de là. Si je pourrais partir de là-bas, je ferais ça autrement. Partir de là. Il y a le fameux mystère qui n'était pas débloqué, mais bon. Vu que j'ai déjà tué les bonhommes, hein, je sais toujours pas comment on pourrait le débloquer. J'avais fait l'inverse, j'avais tué les bonhommes qui balancent, qui tuaient celui en bas avant. Ouais, ils sont toujours morts, hein, ce qui est logique, mais bon. Ça m'aide pas pour Waouh, c'est un peu haut. Ça perd pas trop, hein. Ah là, je crois que je vais toujours pas lire de nouveau ce que j'avais lu. C'est bizarre, hein, je peux pas relire le texte ici, donc je sais plus à qui il voulait parler. Je crois que ce mystère il sera pas réglé avant la fin du jeu parce que je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Oh, mais il y a quand même beaucoup de petites ressources en plus là. C'est énorme.
Ah, c'est loup, hein. C'est un renard. Les renards, ça n'attaque pas. J'ai jamais vu d'offrande avec les renards, il y en a en masse dans le jeu, mais il n'y avait pas d'offrande jusqu'à présent liée aux renards. Ah ouais, c'est vraiment... Se demande comment il faut mettre des choses là-haut. Caché de commerce. Pas très bien, au final. L'autre, il est en dessous. Alors ça, c'est le genre de truc que j'aime pas de manière générale. La richesse, la dernière, elle est en dessous. Non, seulement pourquoi il y a une porte fermée s'il n'y a rien. C'est comme s'il y avait quelque chose. Pas censé avoir quelque chose. Ah ouais? C'est plus que ça, c'est une... Là, il se casse. Pas l'autre côté se casse pas, c'est bizarre. Ouais. Bon, après, j'ai pas de raison de rentrer là-dedans, hein, normalement. Mais c'est bizarre que là, ça se casse pas. Très curieux. Ah, c'est une joute le mystère. Bon, ça, ça ira. Au bout de 2-3 fois, on y arrive, hein, si on arrive au premier coup.
Ah, flûte, hein, c'est encore dans le souterrain. D'ailleurs, là, c'est pas le village. Que vois-tu, ma vieille amie ? Aucune idée maintenant de comment on y va. Que l'oiseau n'est pas capable de trouver. C'est pas au niveau du. Si. Yes. Ok, on va faire la joute une fois, mais bon, pour le. Pour l'autre souterrain, c'est une autre histoire. Hein. Regarde-toi, grande et tout. Comment tu t'appelles ? Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eivor, du clan du Grand Corbeau ? Viens ici, approche. Est-ce que tu aimes boire ? Autant que respirer. Et tu aimes la joute verbale ? En effet, oui. Eh bien écoute, les gens d'ici, ce n'est pas trop la pensée qui les impressionne. C'est la capacité à boire qui attire leur respect. Si tu es sobre, va-t'en. Il n'y a rien ici pour toi. Je saurais te faire taire ma bière au bout des doigts. Très bien. Maintenant, mise. La bière est gratuite pour ceux qui jouent. Je paierai une tournée avec mes gains, ça te va ? Elle me plaît. Tu es prête ? Tu veux boire encore avant de commencer ? Pour te porter chance. Pour la chance. Tu es d'une laideur, la honte de ceux du Nord. C'est parce que je ressemble à ta mère. Le moins que l'on puisse dire est que tu n'es pas belle. Peut-être, mais la beauté sert moins que la cervelle. Oh, très bien. Tu es la personne la plus futée que je connaisse. Et toi, tu te défends. Allez, buvons encore. Je suis une championne et c'est moi qui vais gagner. Peut-être pas volible et qui pour les pieds. C'était la joute la plus incroyable que j'ai jamais vue. Tu es extraordinaire. Je peux en dire autant de toi, copine. Trois bancs pour Eivor, la meilleure manieuse de mots de toute l'Angleterre. Bon, ça, j'ai réussi au moins tout de suite. C'est ce qu'il dit, mais tout ce qu'il rapporte. Et du coup, elle est sous.
Et là, on cherche toujours. Ah, on dirait que c'est près d'un. Non, c'est sur le chemin. Ah! Non, c'est pas un puits. Ou alors il est. Ouais, bah que je sache maintenant comment atteindre l'autre. Bien trop. Ça, c'est pas une maison en rentre dedans. Si, est-ce qu'il y a un moyen de descendre? Ouais. Super. Ouais, c'est empoisonné. S'impose ici. Ok, ça c'est bon. Alors maintenant d'ici on va au prochain là. On verra c'est quoi. Ouais, il va remonter partout. Je te le demande. Non, je l'ai... Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Allons-y. Allons-y, pourquoi ? Arrête ça ! Ah, si on va prendre une raclée, ça va être difficile. Abandonne. Oui. Et que t'as promis Loki Lapin, championne? La richesse? La renommée? L'honneur? Le lapin n'a rien dit. Tu devrais en tirer une leçon. Où vas-tu donc, Loki? On peut pas le tuer. Ok, on va aller là, à l'artefact, c'est le dernier. Sûrement un malheur, ou alors c'est un truc commun, un masque. À tous les coups, hein. Ça m'étonnerait que c'est un tatouage. Et après, va le temps savoir, tant qu'on n'y est pas.
Ah, c'est pas ça que je voulais. Maintenant, je voulais l'oiseau. Je vais pas comprendre comment appeler l'oiseau. Guide-moi, Sinine. Alors. Les rouleaux ensorcelés de ma mère m'a aussi enseigné la magie de lune, que je vais retourner contre ceux qui m'ont fait du tort. Ah. On va mettre fin. Troisième pied de la cochette à droite. Du poison. Ah. Ok, plus que ça. Allez, Eivor. Ça vaut beaucoup en plus, hein. Ah, elle est en haut. Je le vois pas. D'ailleurs, pourquoi j'ai récupéré une clé si c'est pas pour là? Que vois-tu, Sinine? Rien de rien. Ah. Là où il y a cette baraque, cette petite cabane, là. Alors la question c'est comment on l'atteint. Va voir, Sinine. C'est censé être là, mais... vachement bien caché. On dirait qu'on peut l'avoir seulement de l'autre côté. Putain, ils auraient pu éviter tout ce brouillard et tout, on voit rien. Puis jette-moi cette torche. Ah, ça semble compliqué, pas si simple. Alors, il donne des flèches. Ça prouve que... on peut l'avoir d'ici apparemment. Ah. Ok, ça, les artefacts, c'est bon. Maintenant, on a encore... ouais, ils ont diminué les mystères d'ici. Pour l'instant, ça va. Là, il y a aussi la richesse ouais, avec le livre qui était compliqué à avoir. En fait, il y a pas mal de choses ici où j'ai bloqué. Hein.
Ah, c'est une offrande. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je le fais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Poser la question. Je vais le faire ou pas. Bon, les loups, j'ai peut-être pas forcément perdu du temps avec eux. J'en ai déjà tué tellement. On va aller au prochain mystère. Il en reste 3, 6, 7. C'est beaucoup, 7. C'est un moyen d'en enlever quelques-uns. Allez, le cheval court là. Là, je sais pas pourquoi il court pas, c'est bizarre. Là, il devrait pouvoir courir. Bon, si tu cours pas, je descends. Je sais pas pourquoi t'arrives pas à courir. C'est quoi des phoques? Non, des corbeaux. Qu'est-ce qu'ils veulent là-dessus? Ah, c'est un champignon. Oh là, ça dépend qu'est-ce que c'est comme champignon. Ah, ce à quoi je m'attends. Ah, ça va, c'est éliminer les ennemis. Ça, c'est pas un champignon dans le monde qui devrait. Pas la peine de t'en aller, je vais bien là. Voilà, ça c'est un mystère facile. Amanite, tu mouches. Alors maintenant il en reste 6. Là, ils étaient tous faciles, hein, le gros. Mais il y en a quand même 3 qui sont en problème. La crypte, c'est à voir, la crypte. Encore un peu le temps. Peut-être je vais faire le monastère tout de suite. Parce qu'on a. Bon, mais si je fais le monastère, il me restera plus des mystères. Quasiment. Bon, après, est-ce que ça change quelque chose? Je vais d'abord faire cette zone là-bas. J'ai envie de faire cette zone et après on verra si on fait le monastère ou pas.
possible, le cheval. Bordel. Ils sont partout, les loups, pour embêter. Ah, c'est un vidage. Abandonné, sûrement. Ils prennent la fuite. Il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Chercher. Thank you.
les tombées en feu. Il nous reste deux points à faire et après on monte. Ça, c'est pas la même partie. Suicide. Qui a fait ça? Mais il y en a un qui a balancé du feu. Il est temps, hein. Celui-là. Faire le monastère, je pense, comme ça c'est fait. On terminera avec ça cette session. Ouais, Ivor, il peut pas passer au-dessus. Non, il peut pas passer au-dessus. Pour entrer, là il y a une ouverture. Est-ce que. Ah ouais, pour y aller, on est obligé de traverser. Hein. J'ai besoin de ton bateau, désolé. Calme-toi, je veux juste des bateaux. Donc de là on peut remonter complètement.
Montre-moi. Allez, Milou. Même abattre les... Je sens mes forces revenir. Pour moi.
presque fini. Ah, il y a encore un. Ah ouais, en dessous. Bon, on va en dessous. Ici. Je me sens bien. Ah ouais. Il me faut de l'aide. Ah, il me reste une petite richesse, ça va. Pour vraiment finir le lieu. Ah, il manquerait deux richesses, ce qui est assez surprenant parce que je vois pas où est la deuxième. Il y en a une qui est là. Mais la dernière, elle est... Ah, mais il y a encore une hauteur qu'on n'a même pas vue. Six mystères, dont trois qui sont... Enfin, deux qui sont en béton. Non, trois qui sont en béton. Ouais, la crypte, ça devrait aller dans la caverne de Vika. Faudrait juste m'y penser. Et donc on en voit 3, 4, 5. Il y en a 6. Donc tout est sur la hauteur que je suis pas allé. Ok, ok. Alors on va s'arrêter à ce niveau-là pour cette première partie. On reprendra le reste la prochaine fois. Donc on va s'intéresser beaucoup à la hauteur. Déjà, ce sera une bonne chose ça, je pense. On va mettre du bleu. Un peu au pif, hein, on s'en fout. Au final, ça change pas grand chose. Allez, là, il y en a pas mal qui manquent. On va mettre celui-là.
Bye bye les amis, à la prochaine. Ah, on peut nouveau pas. Oh, c'est des voix, un truc que ça veut. Allez, on va y aller à la hauteur alors. Est-ce qu'on a un moyen de... Pas de truc. Mais ouais, mais si je peux me déplacer, je devrais pouvoir sauvegarder. Alors voilà, on s'arrête à ce niveau-là. Ah ben là, il l'a montré maintenant la richesse. On savait qu'elle était forcément là-haut. Donc voilà, on fera ça la prochaine fois. Allez, on sauvegarde, bye bye.